Bonjour, bonsoir, dépendamment de à quelle heure on suivre l'émission pour la mise au point, nous entrer la caillou pour que nous soyons capables de continuer à brasser l'idée sur ce qui a fait actualité, tant sur le plan politique, social, culturel, entre autres. Mais je dis à la, nous allons parler au niveau de l'administration publique là, qui est coiffée par une entité de l'État qui est le OMRH. Office manager des ressources humaines, et bien qui lance au recrutement pour capable former encore génie avec architecte. Mais c'est sous dossier ça. Nous parlons pour nous capables parler matin, mais pas seulement dossier ça. N'a parlé en même temps d'une façon générale de l'administration publique là, au recrutement et autre chose fonction administration publique là. D'après tout ça matin dans émission avec invité nous qui c'est Henri Bossico qui c'est coordonnateur fonction publique dans OMRH. Monsieur Bossico, bonjour, merci d'être répondu à l'invitation. Merci bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Et m'a profité pour moi saluer de façon spéciale et le président de la République, son excellence Jovenel Moïse. M'a salué le premier ministre à tout. M'a salué tout supérieur hiérarchique moi, qui c'est docteur Josué Pierre-Louis, et qui c'est on dit, qui est infatigable, et son bête travail que nous relève. Et je salue tout le monde, tout le cadre dans la présidence et dans la primature qui suivent nous là. Et je salue de façon spéciale l'équipe réformateur que moi là dans tout, qui a porté réforme dans l'administration publique. Et dans ça, je tout profiter de ça que il y a un travail que et d'arrache-pied n'a fait. C'est travail pour nous, si nous avons sorti là très bientôt un document de mise en œuvre de réforme l'État que nous avons le programme de mise en œuvre de l'État 2023. L'un des réformes de l'État qui diffère aspects que l'a touché. Et l'a touché en fait toute structure dans l'administration publique là. Ok, t'as quoi? Tant qu'on parlait de ministériaux, d'organismes autonomiaux, d'organismes déconcentrés et tout. Et nous parler plus loin tout, nous parler dans la question collectivité territoriale et tout. Que bagaille ça qui, que par exemple, comment rien tout bon vrai, et nous parler dans la réforme collectivité territoriale et tout. Donc, ça est capable d'arriver vraiment réformer l'administration publique, là, l'État, et nous battre nos objectifs 2022. 2023. 2023, yeah. Donc, nous allons faire un programme, avec, bah, nous allons faire, nous faisons déjà, un programme sur 5 ans, et de 5 ans d'ici 2023, ça fait 5 ans, côté que nous allons mettre en place des actions de manière à ce que pour nous capables de continuer avec le processus de réforme. Donc, dans ce sens, qui différentes étapes nous allons gagner pour nous capables d'atteindre, pour nous arriver à 2023, pour nous réformer totalement l'administration publique. Et en fait, ou dit totalement, mais quittez-nous. Pour ton petit précision, parce que réforme, en principe, c'est un processus lié. Et c'est un processus qui est long. Okay? Donc, il faut faire par étapes. Donc, pour première étape, ça, c'est-à-dire premier 5 ans, ça, donc nous-mêmes, nous disons que nous concentrons surtout sur rénovation et fonction publique, rénovation administration publique, et nous avons rentré tout dans la question collectivité territoriale. Ensuite, il y a un autre bagage qui est assez important, que nous avons touché tout, c'est préparer Mounio, c'est une question de mentalité. Préparer Mounio pour être capable d'accepter et rentrer dans la dynamique réforme. Ok. Mais si nous décidons pour nous réformer ce système-là, c'est parce que nous identifions des problèmes au niveau du système-là. Et présenter nos différents problèmes que nous identifions au niveau du système-là. Et mon cher, administration publique, là, nous constatons que il y a un paquet de faiblesses. Il y a une plus faiblesse, c'est une question de. Ressources humaines, gestion des ressources humaines. Et nous avons un paquet de monde dans l'administration publique là, mais on dirait que qui était rentré, qui était mal rentré, qui pas rentré sous concours, et ensuite qui pas efficace vraiment, soit attendre ou pas rentré vraiment, et ou avons l'impression que nous avons laissé aller, laissé grainer dans la question. Donc nous-mêmes, nous avons rentré dans l'aspect ça et nous avons reformé de manière à ce que pour que. Et citoyens capables de gagner des services de qualité. Donc, le premier aspect que nous sommes ces moyens, c'est question de recrutement sous concours au niveau de l'administration publique là. Et en fait, oui, c'est un gros morceau qui est lié, pas le premier aspect, c'est un gros morceau lié, mais cependant, nous accentuons tout sur question de qualité de service, des services de qualité à la population, ou bien aux usagers.
OK, nous concentrons nous surtout sur ça tout. Mais cependant, recrutement sous concours sont gros morceaux et c'est dans ce sens ça tout que matin là, n'a pas parler de un concours que au MRH en français. Avant que nous arrivions dans le concours, puisque nous avons parlé de recrutement au niveau de l'administration publique là, ce concours, processus normalement de recrutement au niveau de l'administration publique là, comment il doit être fait? Très bien. Et en principe, il n'y a pas recruté un monde comme ça pour le plaisir de recruter. D'abord, l'administration supposée identifier besoin ensemble avec OMRH. Le besoin en ressources humaines. Quand il y a là, l'elfin identifier besoin, quand il y a là, niveau et liste besoin, nous-mêmes OMRH, quand il y a là, nous chita ensemble avec eux. OK? Nous regardons, est-ce que vraiment ça, il besoin rentrer dans le cadre normal fonctionnement institution. À ce moment-là, nous chita pour nous capables de lancer appel à la candidature. Mais avant de nous lancer appel à la candidature, nous assurons-nous que pour poste ça, que vous besoin là, gain ressources financières pour poste ça. Après ça, qu'on y a là, nous faisons ensemble, nous faisons profil poste là. Et là, nous finissons faire profil poste là, qu'on y a là, à partir de profil là, qu'on y a là, nous faisons les termes de référence. Et ces termes de référence, ça, qu'on y a là, que nous pouvons transformer en appel à candidature, que nous pouvons lancer dans le journal, et sous site au MRH là, un petit peu partout, etc., de manière à ce que pour nous, capable de porter dossier. OK? Ensuite, et là, au fin de porter dossier, ça, qu'on y a là, nous constituons, nous-mêmes, nous toujours les constituons un jury. Et toute expérience que nous faisons déjà, nous constituons un jury vraiment indépendant. L'homme indépendant au MRH pour entrer là-dedans de manière à ce que, pour ne pas dire qu'on s'accueille, bah, il y a une fausse côté. Et vraiment indépendant. Après ça, c'est le jury à Kounyala, ensemble avec, bien entendu, au MRH, qui continue à responser sur ce jusqu'à ce que les gens n'ont passé l'examen. Et les gens passent l'examen à Kounyala, et les gens qui vont aller dans le stage. Et ça, et ça, dépendamment, capable de durer 3 mois, capable de durer 6 mois au maximum. Payé ou non payé? Et payé. Et après stage là qu'on y a là, il y a nommé mon et titularisé dans un poste. Donc normalement, un stage dans l'administration publique là, l'État doit payer. Oui, si nous référons à la loi 1982, il dit comme ça que c'est 2/3, en fait, pour poste là, c'est 2/3 mm-hmm. problème où tu as supposé ben, mon qui est dans ce stage là. Okay, donc, mais mm-hmm. mais qu'on besoin de dire pour ne pas aller net dans la question de recrutement sous concours. Mm-hmm. Et là, nous parlons de recrutement sous concours, nous parlons de recrutement sous concours. Et pour les gens qui ont rentré comme fonctionnaire, mais les gens qui ont rentré comme contractuel, il faut que passer par concours. À l'exception de les gens qui ont une série de contractuels qui attachés aux hauts fonctionnaires, les gens savent eux-mêmes à la discrétion de ces hauts fonctionnaires, mais les gens qui ont rentré viennent faire un travail vraiment technique d'administration, donc ils supposé passer par voie de concours. Ensuite, bon, l'autre bagaille encore tout, ça a le concours interne. Tout. Par exemple, on dit comme ça que dans la structure, dans TNH, nous avons besoin de faire un recrutement, mais cependant, nous suspectons que nous avons des ressources à l'intérieur de l'institution pour nous être capables de joindre, à ce moment-là, nous capables de pas lancer un concours de façon générale à l'externe, mais nous capables de lancer un concours à l'interne. À ce moment-là, l'OMRH supposé présent. Parce que pour qui ça? Et si que nous faisons tout le processus ça, ou bien l'institution fait tout le processus ça pour contre lui, il voit le dossier à l'OMRH, l'OMRH a obtenu. Parce que le parce patron que, yeah, parce que l'abdou consacré n'est non conforme à la loi. Parce que FOC, c'est deux concerts avec l'OMRH pour tout processus ça, au fait. Donc, recrutement au niveau de l'administration publique, là, quelle que soit entité liée à l'administration publique, là, il doit faire deux concerts avec l'OMRH. C'est ça que nous devons retenir. Très bien, c'est ça que nous devons retenir. Il faut faire deux concerts et sous la haute supervision de l'OMRH. OK. Mais ce n'est pas. Tout procédure là, les mêmes processus là, ce n'est pas OMH, les mêmes cap menen, mais c'est entité à les mêmes cap menen avec supervision OMH. Oui, c'est entité à cap menen avec supervision OMH. Mais cependant, et là nous parlons de supervision OMH, il y a une série d'entités qui en exercent à Muséo, vont nous l'aider à OMH, dit OMH, comme ça qu'il y a fait concours. Non, ce n'est pas comme ça qu'il a fait. Nous-mêmes, nous avons des techniciens encadrer mon nom de A à Z. Depuis comme ça dit là, depuis l'identification besoin de A à Z jusqu'à ce que mon nom nommé ou bien titularisé dans la fonction publique. Retraite. Question retraite là. Comment nous abordons la question ça? Et bon, question retraite là lui-même, c'est un gros mausolier. Et vu que nous constatons dans une série d'empile les institutions, il y a un vieillissement de fonctionnaires. Il y a un fonctionnaire qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui a 35 ans. Donc, ensemble avec l'institution SAO, nous avons établi un plan de départ à la retraite et nous commençons avec
et deux institutions pilotes. Okay. Donc, nous, un plan de départ à la retraite. Des institutions, ça qui est ce. Institution SAO, première institution, c'est le ministère de l'Agriculture. Okay. Okay. Deuxième, non, c'est le ministère des Travaux publics. Okay. Parce que c'est eux-mêmes qui affiché un taux de vieillissement qui est beaucoup plus élevé. Il y a l'autre tour encore, mais on a commencé avec deux institutions pilotes. Fonction loi sur fonction publique, qu'est-ce que ça dit dans ce sens? C'est mon qui pour moi de lire, mais automatiquement, l'entité qui doit décider que, puisque mon a l'âge pour retraite, il est normalement voué à la retraite. Qu'est-ce que ça qui prévoit? Non. Parce que, disons comme ça que, le texte a dit, à partir de 58 ans, ou capable de faire droit à la retraite. Ou capable de demander ou même. Ou capable de demander ou même. Ou capable de faire droit à la retraite. Ok. Mais cependant, institution en tout capable d'encourager ou tout, parce que dépendamment, de capable d'encourager ou tout pour faire droit à la retraite de manière à ce que pour capable parce que gien on va quelque moun yo pas comprendre, une série de monde et qui peut aller à la retraite. Peut-être que pour une question de petit problème, mais dépendamment de nombre d'années que vous faites votre travail, ou capable aller à la retraite avec 90% quoi vous. Parce que moi, je connais une série de monde qui allait à la retraite avec 100% comblé. Ok? Donc, c'est pour un bagage que vous supposez que vous avez supposé peur, c'est pour un bagage que vous avez supposé content même là, pour aller à la retraite. 100%, ça veut dire combien de temps vous avez de faire dans la fonction? En principe, c'est 25 ans. 25 ans. Dès que vous avez passé 25 ans de carrière dans l'institution, l'État doit être censé gagner 100% de salaire de compensation. Dépendamment, ça dépend du calcul que vous allez faire. Parce que son calcul que vous allez faire pour connaître. Mais cependant, je dis que je connais. Je suis capable de citer l'institution même, c'est dans le cours supérieur des comptes. Mm-hmm. J'ai deux camarades dans le cours supérieur des comptes qui allaient à la retraite, ça fait un an, côté que j'ai 100% de salaire. Ok. L'autre aspect que vous touchez dans la question réforme et administration publique là, c'est la question efficacité. Ça veut dire employer l'État, la travail pour le capable de faire rendement. Yep. Mais il y a deux aspects dans la question. Il y a un premier aspect, nous sommes capables de dire, il y a parlé ça en pile dans la fonction publique. Il y a un paquet de monde qui a travaillé dans l'État, pendant que pas suffisamment de travail pour les gens, c'est-à-dire sur charge là. Mm-hmm. Et deuxièmement, il y a toujours dit que l'État n'a pas bien payé les fonctionnaires pour être capable de faire rendement au Dubaï là. Et on apprend le premier aspect. Le premier aspect, nous-mêmes, nous avons comme l'impression que dans le temps, c'est une question de bourrage. Qui t'est faite. C'est une question de bourrage, et bourrage ça fait que vous prenez n'importe qui, vous mettez n'importe qui côté. Ensuite, ça vient réduire son rendement, son efficacité. Donc, quand il y a ça, nous faisons nous-mêmes dans l'OMRH, et c'est toujours dans le cadre de réforme, non? Nous disons que à la fin de l'année, il faut que tout le monde évalue. Ou évalue en fonction de rendement, en fonction de ça où tu es bon fait. Quand y a là si ou pas bas résultat, y est capable de déclasser. Ok, donc et même après un certain nombre d'années ou toujours même bas elle a toujours ou inefficace à ce moment-là, y est capable de licencier. Okay. Donc ça rentre dans le cadre réforme non, de manière à ce que pour nous dans quelle mesure que nous sommes capables de chercher gain beaucoup plus d'efficacité dans question. Oui, ça qui est dans ça tout. Faut, est-ce que l'évaluation n'est pas vraiment rationnelle pour que n'y pas tourner chasse aux sorcières? Parce que directeur a un problème à voir, on lui dit bon ou pas efficace ou pas barrement et puis à ce moment-là, il n'a pas voulu aller. Non, c'est pas comme ça. Comment l'évaluation peut le faire pour que l'employeur lui-même sente que la sécurité l'a évalué vraiment selon vraiment. C'est pas comme ça le fait vraiment. C'est pas un monde qui était dans un bureau ou bien entre quatre murs, ensuite qu'on y a la rempli une forme, il dit l'évaluation. Non, c'est un entretien. Nous, on entretien. En fait, un entretien annuel. Côté que supérieur chic là, chita en face, qu'on y a là, nous-mêmes, ensemble, qu'on y a là, n'a évalué à partir de ça que vous devez me faire. Qu'on y a là, si que supérieur chic là a une mauvaise note, il est capable de contester ça auprès de supérieur chic. Auprès de supérieur chic ça. Donc c'est pour moi qui fait de façon et en fait en vase clos côté qu'il fait. Non, c'est pour moi qui fait participatif ensemble. C'est tous les deux qui mettent tête ensemble pour faire évaluation. Est-ce que le ça pas ta de gagner une description de tâche parce qu'en pile en fonction de l'état, il y a peut-être pas une description de tâche vraiment qui fait par rapport à recevoir. Et deuxièmement, est-ce que pas ta des objectifs précis qui t'a dû définir à atteindre à la fin de l'année? Yeah, c'est exactement ça. En principe, où on vit non poste. Pas supposé pas une description de tâche pour lui. Ah, mais c'est ça qui fait que nous allons là, oui. À un certain moment, on a l'impression que le bourrage est fait quelque part. Donc nous-mêmes, après, c'est de redresser ces bagages.
Donc, tout fonctionnaire suppose qu'il y a une description de tâches. Et c'est à partir de la description de tâches qu'on a là, il y a fixé chaque année objectif de travail. Là. Ou est-ce que nous finissons faire évaluation là, qu'on y a là, après ça, qu'on y a là, même côté à tout, nous fixons objectif de travail pour l'année. Okay. Et qu'on y a, c'est sous base objectif de travail, ça, qu'on y a là, c'est sous base ça, qu'on y a là, nous allons évaluer. Et évaluation lui-même, lui fait tout pour permettre que le fonctionnaire prenne une promotion. Tout. Et lui fait tout pour permettre à ce que vous identifiez, parce que vous êtes capable de fonctionner à faire un travail, après ça, vous regardez ou que pour une raison ou pour une autre, le travail n'est pas bien fait. Ça fait travail n'est pas bien fait, le fonctionnaire est capable de manquer une petite formation. À ce moment-là, vous êtes capable de décider de voir l'information. Et si le travail a fait tout et de façon extraordinaire, vous êtes capable de dire, ah, mon cher, mon ça a mérité une prime d'efficience ou une prime d'efficacité. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement pour capable, ou bien évaluation de la performance individuelle, là, pas gagner un aspect chasse et sorcier, etc., courir des mondes, etc. Non. C'est pour chercher l'efficacité dans la fonction. Hein. C'est ça que fait, vous fait évaluation de la performance. Deuxième aspect, il y a toujours dit l'État pas bien payé fonctionnaire. Et bon, ça lui-même, c'est un bagage qui est assez important. Et actuellement, nous-mêmes, dans l'OMRH, nous travaillons sur une grille de salaire. Parce que tu as une question de barème. Jusqu'à présent, c'est une question de barème qui gagne. Côté que l'on rentre, dont nous allons parler de salaire, nous rentrons dans quoi tout. Et côté que l'on rentre ou figé, ok, qu'on y a là, nous allons faire une grille de salaire et c'est à partir de grille là qu'on y a là mon nom a touché et mon nom, grille là lui-même lui a évolué au fur et à mesure en fonction de coût de la vie etc. La question de promotion au niveau de l'administration publique là, comment aborder question ça? Et bon, ça dépend de promotion. Conseil de promotion et après par la suite de évaluation de la performance individuelle là, il est capable de décider que et vous avez une promotion parce que vous trouvez que vous êtes efficace dans la question, vous maîtrisez la question, etc. Donc vous méritez une promotion, pas aucun problème. Donc vous montez le dossier, ensuite vous voulez dans l'OMRH, l'OMRH approuve, ensuite vous faites pas couler. Mais cependant, dans l'autre style de promotion que vous rencontrez tout moi-même, c'est sortir dans la catégorie à l'autre catégorie. Par exemple, un monde qui est chef de service. Chef de service là, et c'est dans la catégorie liée, on relève la catégorie B. Et qu'on y a la traversée, le travail pour une promotion pour aller soit assistant directeur ou bien directeur. Ok, à ce moment-là, la sortie dans la catégorie pour aller dans l'autre catégorie. À ce moment-là, la loi dit comme ça que non, recrutement sur concours. Ok. Donc, Mounsa, la sortie dans la catégorie pour aller dans l'autre catégorie, mais c'est sur concours et tout en respectant la loi. Parce que la loi dit comme ça que Mounsa qui est dans la catégorie B, pour aller dans la catégorie A, il faut avoir une licence. Donc, s'il n'y a pas de licence, non, désolé. Un diplôme de licence, il va gagner un diplôme de licence, non? Désolé, et ça ne peut pas marcher comme ça. Dernière question sur la question réforme de l'administration publique là. Quelle difficulté une personne qui a rencontré dans le cadre de réforme là, dans des institutions qui sont hautement politiques? Et institution ou pas hautement. Peut-être que les gens qui ont dirigé une institution politique. C'est moi, par exemple, le Maïsien. Et non, ça, c'est une autre institution liée lui-même. Ce sont notre institution liée qui rentre dans. Et, en fait, pas notre institution, c'est notre pouvoir qui est lié. Okay. Et nous-mêmes, nous avons un pouvoir exécutif là, nous-mêmes. Alors que nous-mêmes, nous avons un pouvoir législatif. Non, est-ce que le monde qui travaille dans le Parlement, ce n'est pas l'État haïtien qui peut être fonctionnaire de l'État, non? Non, ce sont des agents publics qui travaillent dans une institution et dans l'autre pouvoir, mais qui n'est pas fonctionnaire d'État en tant que j'en ai parlé à fonctionnaire d'État. Parce que Mounsayo n'est pas nommé par le Premier ministre. Ok, okay? Tandis qu'il est nommé par président Chambre des députés ou bien président Sénat, mais il n'est pas nommé par le Premier ministre. Donc, depuis qu'il n'est pas nommé par le Premier ministre, nous disons que ce ne sont pas des fonctionnaires dans le sens que n'a pas lié. Mais cependant, ce sont des agents publics. Bien, nous avons fait un chapitre réforme là. Nous prenons très rapidement dans le sujet journée, qui c'est corps ingénieur civil avec architecte que nous comptons exprimer. Mais pour qui ça forme un corps ingénieur civil avec architecte? Très bien. Et avant de répondre pour qui ça, quittez-moi pour comprendre un petit peu. Et les fonctionnaires à rentrer, fonctionnaires supposés faire carrière. Et pour le faire carrière, ils supposent faire carrière dans le corps.
ça que beaucoup gagne en Haïti. Bien, en fait, gagne deux trois corps, gagne corps des comptables, corps des inspecteurs et financiers, etc. Mais cependant, c'est une pratique qui est généralisée. En principe, il est supposé rentrer dans le corps. Parce que songez bien que être fonctionnaire, c'est un métier. Et métier ça, vous pouvez exercer métier ça à l'intérieur d'un corps. Okay. Donc, et l'année dernière, nous avons lancé un corps, ou bien nous avons monté un corps, c'est quoi des administrateurs civils d'État. Et côté que jusqu'à présent, il y a deux trois messieurs qui prennent formation dans l'INAP toujours, pour nous vraiment, vraiment monter quoi. Et année ça, nous lancer encore une fois, on l'autre corps, c'est corps des ingénieurs civils et d'architectes. Question qui pose dans ce sens, est-ce que corps là, c'est pas ensemble d'ingénieurs civils qui t'a eux-mêmes décidé de propre former quoi ça entre eux? Même j'ai gagné un corps de comptable, etc. De médecins en même temps, une sorte d'association que lié que c'est eux-mêmes qui t'a décidé de former propre corps au lieu que c'est l'État lui-même qui décide de former comme ça. Très bien. Il y a une question qui pose dans ce sens. Très bien. Ma réponse, mais qui t'aime fin à l'inette dans la fonction publique là, et question encore là. Et où elle est formée encore? Corps, ça lui-même. Il gagne la donnée, niveau, grade, échelon. C'est-à-dire que l'on rentre ou rentre dans l'échelon, dans un grade. Et chaque année, ou prend promotion à l'intérieur de lui-même et fait que ça là augmenter. Et pas un monde pour belle figure, il prend bonne promotion. Non, il est automatique dans quoi? Ou monter d'année en année, jusqu'à ce que vous finissez carrière. Et ça fait que nous liez question corps là avec une question de carrière et nous liez question carrière là tout avec une exigence de la Constitution. OK, donc c'est comme ça le fait. Donc nous parler de corps dans fonction publique là même. Mais cependant, si nous parler de ingénieur et tout, même genre avec question de avocat et tout, il y a corps qui régit et tout. Gagné excusez-moi, c'est le collège national des ingénieurs et architectes d'Haïti. Donc c'est comme ça qui régit eux-mêmes. Mais cependant, c'est pas de ça n'a parlé vraiment, nous parler de fonctionnaires. Ils ont entré dans le corps. Tel que, et tel comme ça, peut-être que je suis capable de parler de vous, on a fait un autre corps encore, tel que corps des responsables en ressources humaines. OK? Corps des responsables en intendance, par exemple. OK? Donc, c'est toute une série de corps comme ça que nous allons constituer au sein de la fonction publique de manière à ce que les gens qui rentrent sont capables de faire carrière. Par exemple, je dis à la, je suis rentré là moi-même. Je suis capable de nommer mon entrée. Je suis nommé moi. Je ne suis pas contre côté mieux. Tandis que l'on a un corps qu'on y a là, ou entre aujourd'hui à là, après 15 ans, on compte à pied. Après 20 ans, on compte à pied. Après 25 ans, on compte à pied. Donc, en d'autres termes, on est capable de faire carrière vraiment dans la question, dans la fonction publique. Là. Donc, c'est l'ordre que nous avons mis à partir de la réforme, c'est l'ordre que nous avons mis dans la question fonction publique, là, de manière à ce que pour les gens qui rentrent, capable de faire carrière vraiment. Okay. Donc, pour nous parler de quoi ça, et des ingénieurs civils et d'architectes nous dit dans la fonction publique. Et donc, quoi ça, c'est encore pour encadrer une série d'institutions. Parce que nous avons fait corps d'administrateur civil d'État, c'était vraiment un corps de gestion, l'ITE, la question. Ça lui-même, c'est un corps technique d'encadrement. Par exemple, ministère des Travaux publics, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation nationale, etc. Tout ministère ça a qui besoin des ingénieurs. Il y a gagné une série d'ingénieurs là-dedans, qui a aidé à monter une série de dossiers, des dossiers techniques, et qui a aidé à faire des supervisions des grands travaux publics aussi. Donc, il y a des fonctionnaires d'État. C'est tous ces fonctionnaires d'État. Ce sont des fonctionnaires d'État qui sont capables d'aider, superviser, aider, monter dossiers techniques, aider, etc., de manière à ce que pour nous capables de gagner efficacité dans ce qu'on a cherché. Oui. Par exemple, un exemple assez banal, on dit comme ça que le ministère des Travaux publics ou bien le ministère de l'Éducation nationale décide de faire un grand chantier dans la question de la construction de l'école, etc. Mais il faut gagner des techniciens là qui sont capables de monter un dossier, qui est capable de comprendre un dossier, qui est capable de chita avec vis-à-vis qui devant nous, qui peut exécuter la question. Il faut gagner mon lacal et tout capable conseiller ministre qui dit comme ça que ah et travail ça que dit qui finit hein. Et au point de vue technique il y a un petit problème hein? Parce qu'il pas bien monté non parce que etc. Donc en d'autres termes ce travail ça
moun sa yo gen pou yal fè nan question et nan question administration. Donc li pa bon sorte de association tanko de capable di et que c'est eux même qui forcément regrouper tête yo pour capable défendre propre cause pa yo. Non, c'est pas comme ça. C'est même avec corps des comptables publics par exemple. C'est pour l'association liée, c'est un corps qui l'a dans fonction dans l'administration publique là de manière à ce que pour capable encadrer moun yo ouais que est-ce que côté au point de vue et comptabilité est-ce que moun yo respecte les lois comptables les lois de finances etc. c'est même bagage ça et tant comme saute d'otalia là c'est pas un seul ni deux ni trois qu'on a constitué fonction publique là en corps de métier. Génie civil ensemble avec architecture c'est des professions libérales que yoyé des professions libérales. Donc, est-ce que ça ne peut pas empêcher mon nom s'il gagne pendant qu'il fonctionne l'État, mais s'il gagne deux, trois travaux personnels pour le faire, ça ne peut pas empêcher qu'il le fasse? Et quand on a tombé dans l'autre chapitre, qui c'est éthique et déontologie. Okay. Parce que, toute une série de. Laurent, comme fonctionnaire, songez bien, ça me dit, être fonctionnaire, c'est un métier. Ok? Un métier qui est capable, incompatible avec d'autres choses. Par exemple, moi-même, moi fonctionnaire là, je ne suis pas capable de décider pour me gagner un business privé qui est contraire à ça m'affaire. Non. Et si je gagne un bagage, il faut le déclarer moi-même. Parce que c'est mon métier mieux et métier, c'est mon métier 8h, 4h que lié. Donc, imaginez que moi, mon métier 8h, 4h, quand je gagne tant qu'on y a là, pour être capable d'exercer un bagage en dehors de métier. Mais c'est ça que dit clairement, ingénieur civil avec architecte qui peut faire partie de quoi ça. Il y a prêté fonctionnel l'État, mais si vous avez un contrat, il y a une entreprise par exemple qui peut le faire ou autre chose, il n'y a pas de prêter un contrat ça. Non, il n'y a pas capable. Il n'y a pas assez bien payé par exemple par rapport à un copier que vous avez donné. Il est contraire à la déontologie à l'éthique. Mais il n'y a pas assez bien payé par rapport à comme ça vous avez fait par exemple un contrat ça. Mais il dit comme ça que fonctionnaire mal payé, etc., etc. Mais des fois, vous faites référence à salaire. Bout là. Mais cependant, il y a un paquet d'avantages qui gagne encore. OK? Paquet d'avantages, ça, on te cap avantage ça, on te cap du comme ça que dans en pile poste, on parle de on prend ingénieur, dans en pile poste comme ça, surtout pour mon ça là, il y a des voitures de fonction. OK. C'est déjà un paquet d'avantages. Il y a gagné indemnité. OK? Son paquet d'avantages lié tout. Il y a un paquet de l'autre avantage encore. Que yo pa bagay. Parce que chaque fois que vous faites ça, vous référez à salaire de base. C'est-à-dire que vous dites, ah, mon cher moun, ça a 55 000 gouttes la touche. Vous ne pouvez pas voir que vous avez touché 55 000 gouttes. Donc, avec tout l'autre salaire, machine de fonction, et carburant que vous avez, d'autres avantages, d'autres primes, etc., etc., presque doubler ça. Combien d'ingénieurs et architectes n'ont pas recruté pour quoi ça? Et n'ont pas recruté environ 100. En total, ni ingénieur civil, ni architecte. Ni architecte n'ont recruté 100. Et pendant nous parler de recruter ça, on dit rapidement que nous avons lancé ce concours là déjà. C'est nous lancé depuis le 20 août, l'a fini en fait pour déposer dossier, l'a fini le 21 septembre. C'est date ça, le 21 septembre à 4h. C'est date limite ça, on a recevoir tout dossier honnête. Et ensuite, moun sa yo même, les nous finir recevoir tout dossier, nous pour le traiter, nous pour le examen et qui pour le faire pour eux. Mais cependant, et avant de nous parler d'examen, on dit comme ça que nous avons constitué un jury. Un jury, même j'en ai fait pour corps d'administrateur civil d'État à côté, que nous te constituons un jury de 9 membres vraiment indépendants, nous allons constituer un jury tout, de manière à ce que, pour capable, gagner beaucoup plus de transparence dans la question et au recrutement ça. Donc après ça, qu'on y a là, moun sa yo, sans lauréat ou sans moun que nous avons choisi, nous allons gagner une formation initiale. C'est tout à fait normal, parce que c'est dans un métier qu'on peut aller, et nous, métier, c'est métier de fonctionnaire. Ok? Donc, nous allons gagner une formation pour venir fonctionnaire. Donc après ça, qu'on y a là, et pas gagne aucun problème. Donc on ne sait pas l'exercer correctement dans tout ministère. Parce que son corps interministériel lié, il va l'exercer dans tout ministère. Qui est bon pour déposer le dossier? Il a déposé le dossier dans l'OMRH. OMRH, c'est rue Debussy, numéro 14. Et il est capable de voir le dossier sur le site OMRH. Nous mettons un courriel, une adresse électronique pour être capable de déposer le dossier. Ensuite, il est capable de déposer le dossier dans la direction départementale de l'éducation nationale. Yo, parce que vous avez des gens qui sont en province qui ne sont pas capables de déplacer. Pour nous en province, comment ils ne sont pas capables de déplacer. Donc, il y a une possibilité ça pour déposer le dossier. Hier encore, moi j'étais en parler avec les responsables de l'éducation nationale là, de manière à ce que vous soyez capable de faire coordination ça pour nous. Donc, bon, c'est ça. Profil candidature là.
Bon, en principe, moun qui est éligible, en fait, nous référons à la loi, c'est que faut qu'on ait de nationalité haïtienne, âgé de 35 ans ou plus, juge de ses droits civils et politiques, être de bonne vie et mœurs, être détenteur ou détentrice au moins d'un diplôme en génie civil. Et dès que vous avez déposé le dossier à l'OMRH, vous avez porté un curriculum vitae, vous avez porté photo, diplôme, licence ou, en génie civil ou en architecture. Ensuite, vous avez porté copie, acte de naissance ou, vous avez porté deux photos d'identité, un certificat médical de date récente, photocopie matricule fiscale, photocopie carte d'identification nationale et extrait du casier judiciaire de date récente. C'est ensemble de documents ça que vous avez pour être capable de porter. C'est ensemble de documents ça que vous avez même monde pour porter de manière à ce que vous êtes capable éligible pour nous traiter dossier pour être capable de participer dans le concours. Okay. Même juré ça, c'est dans l'OMRH même qui a sorti ou bien comment on a pour écouter même juré ça. Et nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit que nous avons fait même gens nous avons fait pour le corps d'administrateur civil d'État, nous avons constitué un jury vraiment indépendant. Dans le jury, nous avons gagné la dernière des représentants de faculté des sciences, nous avons gagné la dernière des représentants du ministère des Travaux publics, nous avons gagné la dernière des représentants du collège national ingénieur, nous avons gagné la dernière tous deux ou trois membres de la société civile, côté OMRH, nous avons gagné au plein pouvoir de manière à ce que vous êtes capable. Organiser question ça, bien entendu, sous supervision. Qui implication, mais qui relation qui gagne dans le cadre de recrutement ça avec l'Université de l'État d'Haïti? Pas trop d'implication si ce n'est que, et pas, c'est pas l'Université de l'État d'Haïti seulement, c'est toute université yo qui forme moun en question et génie, architecture, etc. Donc, et c'est une façon que pour eux-mêmes, pour être capables évaluer étudiants ou à tout, évaluer performance étudiants ou à tout, parce que vous êtes capable de gagner l'Université d'État d'Haïti qui voyait mon ensuite l'autre faculté telle que Mbakone, Kiskeya, Notre-Dame ou bien l'autre qui va être génie, ensuite qui gagne plus de monde qui est bon tout. Donc, son façon tout pour être capable de tester et en fait, et formation que vous avez étudiants sur le terrain. Tout. Parce que nous pas faire discrimination, nous pas faire exception de personne monde, tout le monde qui a un diplôme et que n'a pas recruté, c'est même examen pour tout le monde, etc. Donc pas gain aucune discrimination et aucun côté, pas aucun fausse côté disons. OK, là nous finons côté sans ingénieur civil architecte qui va constituer quoi là, comment nous va le répartir? Non, nous allons repartir selon besoin, en fait, sur tout, parce que son corps interministériel lié, nous allons repartir sur tout ministère honnête. Parce que nous connaissons que le ministère qui a plus besoin, c'est le ministère des Travaux publics, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc, de concert avec tout le ministère, ça, qu'on y a là, nous allons repartir en fonction de besoin. Mais par exemple, il y a des ministères qui déjà gagné. Et professionnel dans ce sens déjà. Yeah. C'est ça qui fait que nous avons quitté ou pour être capable de venir avec point ça pour nous dire non, fait le même genre avec le corps d'administrateur civil d'État. Le corps d'administrateur civil d'État, ce n'est pas 50 personnes qui sont dans l'ENAP ou bien qui nous prennent, qui font quoi vraiment. Il y a un paquet de bonnes autres personnes tout déjà qui sont dans l'État, tout comme fonctionnaire et qui répondent à l'exigence nous faire tout, qui viennent constituer quoi. Actuellement, nous avons déjà monté quoi, tout bon vrai, qui parle effectif à partir d'octobre. C'est même bagarre là que nous avons fait tout. Il y a toute une série de monde qui était ingénieur, qui était architecte déjà, dans fonction, comme fonctionnaire, dans fonction de là, qui parle venir rejoindre quoi ça, de manière à ce que pour nous monter tout bon vrai. Il y a passé normalement par processus recrutement ou bien il y a tout entré directement? Non, il y a même été là déjà. Il y a des critères qui déjà dit comme ça que, en fait, en fonction du nombre d'années d'expérience, nous allons classer au Kounia là. Il y a qui peut aller tant que nous allons là, nous allons là, entrer dans le corps là lui-même, il par niveau, grade et échelon. Il y a qui peut aller dans tel échelon, qui peut aller dans tel grade, qui peut aller dans tel niveau. En fonction d'évaluation, on a évalué. En fonction de l'expérience que nous déjà fait sur le terrain. Donc, en somme, que recrutement sans moun sa ou que nous avons fait, il y a une partie dans 100 qui a déjà sorti de employés qui étaient déjà des compétences qui sont dans la fonction publique là. Oui, non. Et sans moun sa ou n'a pas recruté à eux-mêmes, c'est Alexen n'a pas recruté. Et ça qui est déjà ça, à ça qui déjà interne, c'est eux-mêmes qui ont renforcé quoi pour nous faire tout bon, pour nous monter tout bon, quoi, même pour nous monter quoi, administrateur civil d'État. Ok. Donc, la plus que ça? La plus que ça, exactement. Ok, très bien. Alors, et qui est l'autre évaluation que vous faites dans le cadre de l'administration publique, la fonctionnement et autres? Bon,
Et l'autre bagaille qui gagne, c'est une question de qualité des services. Et nous constatons que gagne une série de institutions, services à Bayo, y a pas de qualité vraiment. Donc, on y a là, nous prenons le faire, ou bien nous faisons déjà, mettre ensemble pour signer une charte d'engagement, côté que vous engagez par rapport à la population pour vous bailler des services. Quitte un bon exemple. On dit comme ça que, ou écrit nous-mêmes dans l'OMRH. OK. OK, ou écrit. Mais on a supposé gagner un délai pour répondre. Vous voyez comme ça? Vous voyez comme ça vraiment? Pas de délai vraiment, pas de délai ça. Donc, on a pris la question, côté que, où est qu'une administration, il faut un délai pour répondre. Est-ce que normalement, dans le principe administratif, il parle entre 8 à 15 jours, normalement, pour répondre aux correspondances, dans le principe administratif? Nous dit ça, mais cependant, il n'est pas vraiment rentré dans les mœurs, dans la coutume administrative nous-mêmes. Ou quand on finit comme on le regarde, ou que, il prend un mois, deux mois, trois mois, avant de répondre, ou il ne va pas répondre du tout. Et où est un droit de réponse? Quel que soit été accepté ou été refusé, etc., ou un droit de réponse? Ensuite, on doit bagarre encore tout. Ou aller, par exemple, au besoin de faire une matricule fiscale. Combien de temps ça prend? Ou pas qu'on est. Donc, nous t'as supposé engager nous pour nous dire comme ça que, ah bon, une matricule fiscale malé, ça t'a supposé prendre une heure de temps, ça t'a supposé prendre deux heures de temps, ça t'a supposé prendre un jour, ça t'a supposé prendre deux jours. Donc, en d'autres termes, nous travaillons sur un bagarre comme ça, de manière à ce que, pour nous capables, au moins, un paquet minimum, au moins. OK? Pour nous capables offrir un minimum de services de qualité à la population. Mais le SAF est. Est-ce que pas la paix pour temps pour tenir compte de plusieurs facteurs? Donc, compétence, est-ce que vous êtes compétent pour poste là? Conditions de travail et troisièmement, moyens de travail. Exactement. Nous retournons encore une fois dans la question de compétence, nous retournons encore une fois dans le recrutement sur concours, nous retournons encore dans l'évaluation de la performance individuelle. Parce que c'est l'évaluation de la performance qui a nous tout bagage de manière à ce que pour nous connaître, pour nous voir que meilleur monde a la place qu'il faut. C'est ça la recherche qu'on est. Ensuite, pour les conditions de travail, donc encore une fois, évaluation de la performance là. Parce que, côté lié intéressant dans l'évaluation de la performance individuelle là, c'est que, on va faire un travail pour moi, ensuite, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Donc, là, nous faisons entretien annuel là, qu'on y a là, on dit même pour qui raison qu'on ne peut pas faire. À ce moment-là, on voit que c'est équipement qui manque. Son laptop, son ordinateur, tu as besoin. Son téléphone, tu as besoin pour être plus efficace. Son livre, tu as besoin pour être beaucoup plus efficace. Et c'est peut-être tout. Son formation, tu as besoin pour être beaucoup plus efficace. Donc, tout ceci, on rentre dans la question de manière à ce que pour être capable beaucoup plus efficace et bailler des services qui sont beaucoup intéressants à la population. Parce qu'il y a un point qui est vraiment fondamental, c'est que ce moyen de travail là, qui fait un peu le problème au niveau de rendement de l'État pour que fonctionnaire ait un résultat, un rendement. Mais il y a un bagage qui un handicap qui reproche l'État ici tout, c'est l'administration qui est trop lente. Pour décaisser l'argent, pour acheter un matériel, etc. Administration, fonction administrative, là, elle est vraiment là. Comment nous sommes capables d'agir sur ce sujet? Ah, mais exactement. C'est de toute bagarre, ça me parle. Administration capable, là, ça dépend, ça il y a plusieurs facteurs là-dedans. Il est capable de traiter le dossier, il est incompétent. OK? Ce n'est pas place de ça. Donc, si ce n'est pas place de ça, il prend beaucoup plus de temps pour être capable de traiter un dossier. OK, il est capable gagner un paquet de l'autre facteur qui entrer là-dedans tout. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous disons que dans cadre réforme nous-mêmes n'a pas moyen tout paramètre ça yo. Il est capable peut-être mon attendre notre petit chouchou pour capable faire dossier avancer. Oui, exactement, il capable attendre notre chouchou pour capable faire dossier avancer. Et là encore, on n'a pas moyen tout paramètre ça yo. Parce que petit chouchou l'attendre dans lui-même, il rentrer dans cadre éthique et déontologie. Dans question corruption. Dans question corruption exactement. Il entre dans le cadre éthique et de l'ontologie. Donc, chaque fois qu'il fait ça, il connaît que ça, lui-même, il est puni par la loi. C'est ça qui fait que, nous sommes dans le bagage là, nous avons parlé de programme de modernisation de l'État 2023. Nous avons consacré que un bagage qui est très important que nous avons fait, c'est travailler sur la mentalité pour faire accepter ça. Parce que depuis que le mental là, bon, tout ce bagage est bon. OK, on travaille sur mentalité, faire mon accepter, faire comprendre parce que on série de monde qui pas connaît ça, qui pas comprendre ça autour. Donc, n'a sensibiliser yo, n'a former yo, n'a informer yo de manière à ce que pour capable rentrer dans dynamique ça et marcher dans cadre de réforme. Présence femme dans l'administration publique là. Et présence femme dans l'administration publique là, son bagage que nous toujours gommer, ça fait quoi pour que dans notre premier théâtre, me dit quoi que la candidature des femmes, OK, et des personnes en situation de handicap est vivement encouragée.
Et présence femme là, c'est un bagage que nous réfléchissons sur lui en pile. Et nous tellement réfléchissons sur lui en pile, des fois nous posons nous des questions. Moi-même, c'est professeur dans l'université. Je regarde que moi, gagné non seulement de ça, côté m'a fait cours, gagne plus fille que garçon. Ok? Mais cependant, l'on a fait recrutement dans l'administration, l'on a regardé, moi, que c'est le contraire. Donc, bon travail que l'OMH a fait ensemble avec le ministère des conditions féminines, de manière à ce que pour sensibiliser les gens autour de ça. Par exemple, nous avons rencontré une fille qui dit ça que lui-même ne peut pas avoir aucun problème, non. Mais cependant, il y a des gens pour l'occuper. Lui connaît la fonction publique, là, exigeant, bah, etc. Mais cependant, il y a l'autre tâche pour le faire. Ok. Donc, est-ce que pas ta supposé gagner une espèce d'assouplissement pour famille? Je ne sais pas qu'on est vraiment. Mais cependant, on a réfléchi sur ça de manière à ce que pour nous, que pour qui ça, il pas venir et pour nous faire venir vraiment dans la fonction publique là. Parce que tant qu'on nous là, tendance là, c'est beaucoup plus filles qui sont dans l'université que garçons qu'on y a actuellement. Il y a un bagage qu'on parle en même temps. Tout pour mesdames, vous êtes capable de jouer une place et des fois, vous êtes capable de prendre promotion ou bien vous êtes capable d'entrer dans nos postes. Qu'on gagne ou qu'on victime sur les tisonnages sexuels ou bien faveurs sexuelles que patron qu'on oblige à demander. Très bien. Qu'on y a là, on fait rentrer encore dans le cadre de réforme. Parce que ça nous dit nous-mêmes, et là nous parler de constitution de corps, on dit que, on fit rentrer, bon, puisque nous avons parlé de corps d'ingénieur et d'architecte, on fit rentrer là comme ingénieur civil. Il rentre dans le bas échelon. Il rentre dans le grade. Mais pour nous, la moun ça a lui-même fils ça a cap grandi lui-même pour prendre promotion. Il pas besoin de faire son nom non. C'est automatique lié. C'est chaque un an au maximum chaque deux ans moun ça automatiquement l'a grandi automatiquement la promotion. Donc en d'autres termes, question de bagage sexuel, bagage ça que ça a parlé là, lui-même lui résout de par lui-même. Ça c'est un. Deuxièmement, question de recrutement sur concours encore. Pour moun rentrer dans fonction publique là, c'est bagage sexuel etc. Alors que s'il t'a voulu bail sexuel, avec qui laisse-t-il bailler? Parce que son jury nous dit quoi que nous constituer un jury vraiment indépendant. Et même si que c'est en question dans l'administration, non, l'administration non, OMRH présent. Quittez-moi bon un petit exemple pour capable mieux saisir ça, me le dire. Dernière fois, nous faisons un concours, c'était pour le bureau et agricole communal, le BAC, ministère de l'Agriculture. Nous finissons faire concours, finissons faire examen. Hein? Ensuite, quand y a là, nous prenons tout, nous mettons dans une boîte, faisons aller directement dans l'OMRH. C'est l'OMRH qui dessouche, met un numéro. Après ça, quand y a là, nous finissons le numéro, quand y a là, nous prenons la boîte, ça, nous voyons le ministère de l'Agriculture pour le corriger. Et c'est l'aile sortie, l'aile fin corrigée dans le ministère de l'Agriculture, quand y a là, il y aurait voyé pour nous encore, pour nous faire collation. Donc, en d'autres termes, question de avantage sexuel, etc., lui-même, la présoute de par lui-même. Ou comprenez, la présence de par lui-même. Donc, avec réforme, ça, et je pense que il y a un pile de bagages qui sont capables de faire, il y a un pile de bagages qui sont bien dans la question. Tant que je dis là, réforme dans lui-même, c'est le premier axe dans la vision du président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse. C'est la réforme de l'État, et c'est dans le cadre de ça que nous campions nous-mêmes et nous pas avancé nous-mêmes. Nous allons finir en conclusion. Et en conclusion, et puisque nous avons parlé de recrutement sous concours, nous avons parlé d'inviter et encourager les jeunes pour être capables de venir rentrer dans la fonction publique là, je m'ai demandé que tout le monde a toujours consulté le site OMRH là. C'est www.omrh.gouv.ht. Et c'est là dans tout qu'on y a là, nous toujours publier tout appel à candidature. C'est là dans que nous capables avec nous capables communiquer avec tout le monde tout et à travers OMRH. Donc nous avons demandé que pour tout le monde consultez pour l'activité que nous faisons. Merci Monsieur Bosiko. Nous t'avons recevoir Monsieur Henri Bosiko qui est coordonnateur fonction publique en dans office management à ressources humaines OMRH. Et bien avec lui nous avons brassé l'idée sous fonction publique administration publique de façon générale. Et nous te prenons spécialement sur la question de recrutement sans ingénieur civil avec architecte qui pourra constituer encore au niveau de l'administration publique. Nous te vraiment content d'avoir pour être capable de brasser l'idée sur différentes questions. Nous vous souhaitons passer une bonne journée, soit sur nous en direct, un bon après-midi, soit sur nous en rediffusion. À la prochaine, tout le monde. Merci.